my highest drag. Hello. And tiara. And I am more mascara. Je partage ça sur Twitter. Et voilà. Put a little more mascara on. Et voilà. Tout bien. Je viens de recevoir ce livre, je suis très contente. Ouais, abîmé, hein. Donc, livreur de la FNAC, pas terrible. Mais... Bon. L'histoire de l'art est une discipline humaniste. C'est le titre de la première partie de la première partie. Sommaire. Le double sens prêté par la tradition au terme d'humanitas, l'humanité par opposition à l'ensemble de l'homme ou à l'au-delà de l'homme, leur ambivalente synthèse lors de la Renaissance, Marcille Fissin, Pic de la Mirandole, ses conséquences pour la notion d'humanisme, responsabilité, tolérance, les critiques portées par les adversaires de ces valeurs contre l'humanisme, Erasme. Deuxième partie, ce sera l'humaniste et la tradition, la distinction qu'avait ignorée le Moyen-Âge mais qu'établit la Renaissance entre sciences naturelles et humanités ou sciences humaines, les premières organisent un chaos de phénomènes naturels en cosmos de nature, les secondes organisent un chaos de souvenirs témoins laissés par l'homme en cosmos de culture. L'homme est le seul animal à laisser derrière lui des souvenirs témoins car il est le seul à abstraire des signes la relation de signification et à abstraire des structures la relation de construction. Si le savant a lui aussi affaire aux souvenirs témoins de l'homme, les travaux de ses prédécesseurs, il ne les traite pas comme l'humaniste en objet de ses recherches, mais en aide pour ses recherches. Analogie de méthode entre sciences naturelles et humanités. A. L'observation est orientée par un principe de présélection qui définit les phénomènes naturels ou les faits historiques en fonction d'une théorie scientifique ou d'une conception générale de l'histoire. Et B, la théorie de la relativité ne s'applique pas moins en histoire qu'en physique, corrélation entre espace et temps, relativité de la simultanéité à un même système de référence. Et C, la succession des démarches qui mènent des données au cosmos de nature ou de culture est la même. Chacune de ces démarches présuppose non seulement celle qui la précède, mais celle qui la suit. Premier exemple de situation organique, confronter une donnée à d'autres implique à la fois une interprétation de ce qui est à confronter et une conception de l'ensemble dont chacune des données relève. 3. Le monument comme objet d'enquête et le document comme instrument pour l'enquête. Comment ces fonctions sont en permutation selon la perspective choisie? L'historien de l'art est l'humaniste qui prend pour monument ou matériau primaire les souvenirs témoins de l'homme transmis sous forme d'œuvre d'art. L'œuvre d'art définie comme un objet créé par l'homme qui sollicite une perception d'ordre esthétique. Elle se distingue ainsi, un, des objets naturels, deux, des objets créés par l'homme à des fins pratiques, ceux-ci se subdivisant en véhicules d'informations et outils ou appareils. Tout objet peut être esthétiquement perçu et la plupart des œuvres d'art peuvent, sous un certain angle, être perçues comme objets pratiques. Mais ce qui distingue l'œuvre d'art de tout autre objet, c'est qu'elle a pour intention d'être esthétiquement perçue. Ce critère de l'intention se manifeste par un intérêt porté à la forme, indépendamment de l'intérêt porté à l'idée du travail à fournir. Mais puisque tout objet comporte un élément formel, ce critère est lui-même tout relatif. La ligne de démarcation entre œuvre d'art et objet pratique dépend d'une intention qui ne peut être déterminée de façon absolue. Quatrième partie, de la définition de l'œuvre d'art résulte une première différence fondamentale entre humanité et science de la nature. L'humaniste, au lieu d'avoir affaire comme le savant à des objets préexistants, doit en quelque mesure faire accéder à l'existence ses propres objets. Il ne peut aborder les actions ou créations humaines sans les réaccomplir, les recréer en pensée. L'historien de l'art, cet humaniste, doit à la fois soumettre ses matériaux à une analyse rationnelle et les constituer par une recréation esthétique de nature intuitive et subjective, bref, irrationnelle. Comment est-ce possible sans ruiner l'histoire de l'art en tant que discipline humaniste? Non pas en lui appliquant des instruments empruntés aux sciences de la nature, pour utile que soit ce recours, il ne concerne en rien le problème méthodologique, mais bien parce que la recréation esthétique et l'enquête archéologique sont interdépendantes, second exemple de situation organique. Il n'y a point de spectateur naïf, car toute perception esthétique est relative à un équipement culturel. Ce qui distingue l'historien de l'art, c'est qu'il en a conscience et s'efforce de réajuster son propre équipement culturel à d'autres temps, à d'autres cieux, par une enquête archéologique qui affine sa perception esthétique et un retour est affiné par elle. Comparaison entre l'historien de l'art et A, le connaisseur, B, le théoricien de l'art, troisième exemple de situation organique. Cinquième partie, je vais boire avant.
Merci bien. Cinquième partie, donc. Signification et portée des humanités. Elles sont sans but pratique, vita contemplativa, opposée à vita activa, et ne se rapportent qu'au passé. Mais la vita contemplativa ne contribue pas moins que la vita activa à modeler ce que nous appelons la réalité. Ces théories, ces découvertes modifient la vie des hommes par millions, et la réalité présente n'est rien si elle n'est sous-tendue par la réalité du passé. De ce second point résulte une seconde différence fondamentale entre sciences naturelles et humanités. Celles-là se rapportent à des phénomènes temporels pour en abstraire des lois intemporelles. Celles-ci se rapportent à un domaine de souvenirs témoins où le temps s'est arrêté pour remettre en marche le processus temporel qui les fit naître. Mais les sciences naturelles et humaines sont corrélatives, promises à un même destin. Troisième différence, les sciences naturelles dénotent la possession d'un savoir, les humanités dénotent un processus de connaissance. L'histoire est la mémoire de l'humanité. Première partie. 9 jours avant sa mort, Emmanuel Kant reçut la visite de son médecin. Âgé, malade, presque aveugle, il se leva de son fauteuil et resta debout, tremblant de faiblesse, murmurant des mots inaudibles. Son fidèle compagnon finit par se rendre compte qu'il ne se rassirait pas avant que son visiteur n'eût pris un siège, ce qu'il fit. Alors Kant permit qu'on l'aidât à regagner son fauteuil, et quand il eut repris quelque force, il dit « Le sens de l'humanité ne m'a pas encore abandonné ». Ces deux auditeurs, bouleversés, étaient au bord des larmes, car bien que le mot « humanitat » eût pris au XVIIIe siècle un sens à peine plus fort que « politesse » ou « courtoisie », il gardait pour Kant une signification bien autrement profonde, que mettait en valeur la circonstance. L'orgueilleuse et tragique conscience que prenait un homme du contraste entre des principes qu'il approuvait, qu'il s'imposait, et son ultime sujétion à la maladie, au déclin, à tout ce qu'implique enfin le mot de mortalité. Le terme d'humanitas avait eu au cours de l'histoire deux acceptions nettement distinctes. La première naissait d'une opposition entre l'homme et ce qui est en deçà de l'homme. La seconde, entre l'homme et ce qui est au-delà de l'homme. Dans le premier cas, humanitas désignait une valeur, dans le second, une limitation. Le concept d'humanitas en tant que valeur avait été formulé dans l'entourage de Scipion le Jeune, dont le porte-parole tardif, mais fort explicite, fut Cicéron. Il désignait cette qualité qui distingue l'homme, non seulement des animaux, mais aussi, mais surtout, de quiconque appartient à l'espèce homo sans pouvoir prétendre au nom d'homo humanus, qui le distingue du barbare ou du vulgaire, dépourvu de pietas et de... je sais pas quoi. Étrangère en somme aux valeurs morales et à cet aimable mélange de savoir et d'urbanité que nous ne saurions guère circonscrire qu'au moyen du terme si discrédité de culture. Au Moyen-Âge, ce concept fut supplanté par la tendance à considérer l'humanité en son opposition à la divinité, plutôt qu'à l'animalité ou à la barbarie. Les qualités qu'on lui associait communément étaient donc celles du fragile, de l'éphémère, humanitas fragilis, humanitas caduca. Ainsi, l'idée que la Renaissance se fit de l'humanitas prit d'emblée un double visage. L'intérêt tout nouveau que l'on portait à l'homme se fondait à la fois sur un rappel à la vie de l'antithèse classique entre humanitas et barbaritas ou feritas, et sur une survie de l'antithèse médiévale entre humanitas et divinitas. Quand Marcille Ficin définit l'homme comme âme rationnelle participant à l'intellect de Dieu mais opérant dans un corps, il le définit comme le seul être tout ensemble doué d'autonomie et voué à la finitude. Le célèbre discours du Pic de la Mirandole sur la dignité de l'homme n'a rien d'un document païen. L'orateur déclare que Dieu a placé l'homme au centre de l'univers afin que, prenant conscience du lieu où il est, il puisse librement se tourner vers la direction de son choix. Il n'affirme nullement que l'homme soit le centre de l'univers, même pas dans le sens communément prêté à l'expression classique « l'homme mesure de toute chose ». C'est de cette conception ambivalente de l'humanitas que l'humanisme est né. Il ne s'agit pas tant d'un mouvement que d'une attitude. On la peut définir comme la foi en la dignité de l'homme, que fonde tout ensemble l'importance attribuée aux valeurs humaines, rationalité, liberté, et l'acceptation des humaines limitations, faillibilité, fragilité. De ce double postulat résulte le sens de la responsabilité et de la tolérance. Ce n'est pas merveille si cette attitude a été attaquée de deux camps opposés, qu'une commune aversion aux notions de responsabilité et de tolérance fit récemment aliéner sur un front commun. Dans l'un de ces camps sont retranchés tous ceux qui nient les valeurs humaines, les déterministes, qu'ils croient en une prédestination divine, physique ou sociale, les partisans d'un ordre autoritaire et ces insectolâtres qui rendent un culte exclusif à la ruche, que cette ruche se nomme groupe, classe, nation ou race. Dans le camp opposé s'assemblent ceux qui nient les limitations humaines au profit de quelques
libertinage intellectuel ou anarchie politique, comme sont les esthètes, les vitalistes, les intuitionnistes, les adulateurs de l'âme héroïque. Selon le déterminisme, l'humaniste est soit une âme perdue, soit un idéologue. Selon l'autoritarisme, il est soit un hérétique, soit un révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Selon l'insectolatrie, c'est un individualiste, donc un parasite. Et aux yeux du libertaire, ce n'est qu'un bourgeois timoré. Erasme de Rotterdam, l'humaniste par excellence, nous servira d'exemple. L'Église tenait pour suspect et finit par condamner les écrits d'un homme qui avait déclaré « Peut-être l'esprit du Christ est-il plus largement répandu qu'on ne le pense, et la communauté des saints comprend-elle bien des noms qui ne figurent pas sur nos calendriers ?» L'aventurier Ulrich von Hutten n'affichait que mépris pour son scepticisme ironique, pour son goût dépourvu de tout héroïsme, de la tranquillité. Et Luther, selon qui nul homme n'a la faculté de penser quelque chose, que ce soit bonne ou mauvaise, car toute chose advient en lui par absolue nécessité, était mis hors de lui par la croyance qu'exprime la phrase célèbre « apprendre l'homme comme un tout », c'est-à-dire doté à la fois d'un corps et d'une âme, de quoi servira-t-il si Dieu travaillait en lui comme le sculpteur fait dans l'argile, lui qui pourrait tout aussi bien travailler dans la pierre ? L'humaniste récuse l'autorité, mais il respecte la tradition. Il ne la respecte pas seulement, il la considère comme une réalité objective qu'il faut étudier et, si nécessaire, rétablir. Nos suetera instauramus, noa non prodimus, dit Erasme. Le Moyen-Âge avait accepté et développé, plutôt qu'étudié et restauré, l'héritage du passé. On copiait l'art classique, on utilisait Aristote et Ovide à peu près de même façon qu'on copiait et utilisait les contemporains. Rien ne fut tenté pour une interprétation d'ordre archéologique, philologique ou critique, bref, historique. Car si l'on pouvait penser l'existence humaine moins comme une fin que comme un moyen, comment eût-on pu traiter les souvenirs témoins d'une activité humaine comme des valeurs en soi ? La scolastique médiévale n'établit donc aucune distinction fondamentale entre les sciences naturelles et ce que nous appelons les humanités, studia humaniora, pour citer à nouveau Erasme. La pratique des unes et des autres, pour autant qu'on s'y risquât, demeurait dans le cadre de ce qu'on nommait la philosophie. Mais du point de vue humaniste, il devint raisonnable, inévitable même, de distinguer, au sein du monde créé, entre sphères de la nature et de la culture. La première fut définie par référence à la seconde. La nature, c'est l'ensemble de l'univers accessible au sens, hormis les souvenirs laissés par l'homme. L'homme est le seul animal à laisser derrière lui des souvenirs témoins, car il est le seul animal dont les productions rappellent à l'esprit une idée distincte de leur existence matérielle. D'autres animaux utilisent des signes, édifient des structures. Mais ces signes, ils les utilisent sans percevoir la relation de signification. Ces structures, ils les édifient sans percevoir la relation de construction. Percevoir la relation de signification, c'est abstraire l'idée à exprimer de ces moyens d'expression. Et percevoir la relation de construction, c'est abstraire la fonction à accomplir des moyens de l'accomplir. Un chien annonce l'approche d'un étranger par un aboiement fort différent de celui qui donne à connaître son envie de sortir. Mais il n'emploiera jamais ce type d'aboiement pour transmettre l'idée qu'un étranger est venu en l'absence de son maître. Moins encore un animal, même physiquement apte à le faire, comme le sont sans nul doute les singes, ne tentera jamais de représenter quelque objet que ce soit dans un tableau. Les castors construisent des digues, mais ils sont incapables d'abstraire les actions fort complexes que cela met en jeu d'un plan prémédité qui pourrait être couché sur papier au lieu d'être matérialisé sous forme de branches et de pierres. Les signes et structures laissés par l'homme sont des souvenirs témoins dans ce que, ou pour mieux dire, dans la mesure où ils expriment des idées séparées des processus concrets de signification et de construction où pourtant ils s'actualisent. Ces souvenirs témoins ont, par suite, la propriété d'émerger hors du cours du temps, et c'est précisément à ce titre qu'ils sont étudiés par l'humaniste. D'une façon fondamentale, l'humaniste est un historien. Le savant, lui aussi, a affaire à des souvenirs témoins de l'homme, les travaux de ses prédécesseurs. Mais il ne se rapporte pas à eux comme à l'objet de ses recherches. Il se rapporte à eux comme à une aide pour ses recherches. Ils ne l'intéressent pas dans la mesure où ils émergent du cours du temps, mais dans la mesure où ce cours les absorbe en lui. Quand un savant moderne lit Newton ou Léonard de Vinci dans le texte original, il ne se comporte pas en savant, mais en homme intéressé par l'histoire de la science, donc de la civilisation humaine en général. Autrement dit, il se comporte en humaniste. Pour lui, les œuvres de Newton ou de Léonard ont une signification autonome, une valeur éternelle, car pour l'humaniste, les souvenirs témoins de l'homme ne vieillissent pas. Ainsi, la science s'efforce de transformer le chaos des multiples phénomènes naturels en cosmos de nature. Les humanités s'efforcent de transformer le chaos des multiples souvenirs humains en cosmos de culture. En dépit de toutes les différences quant à leur objet et à leur démarche, il existe de frappantes analogies entre les problèmes de méthode que doivent affronter le savant d'une part et l'humaniste de l'autre. On pourrait croire, dans les deux cas, que l'enquête commence par l'observation. Pourtant, ni le savant qui observe un phénomène naturel,
ni l'humaniste qui examine un souvenir témoin de l'homme ne sont assujettis seulement aux limites de leur champ de vision et au matériel dont ils disposent. En dirigeant leur attention vers certains objets, de préférence à d'autres, ils obéissent, consciemment ou non, à un principe de présélection, dicté au savant par une théorie, à l'humaniste par une conception générale de l'histoire. Il n'est rien dans l'esprit qui d'abord n'ait été dans les sens, cette maxime peut être vraie, mais il est pour le moins aussi vrai que bien des choses offertes aux sens ne pénètrent jamais dans l'esprit. Ce qui nous touche surtout, c'est ce que nous autorisons à nous toucher. Et tout comme ce que les sciences naturelles nomment les phénomènes est le résultat d'une sélection opérée à leur insu, c'est aussi d'une sélection opérée à leur insu que résulte ce que les humanistes nomment les faits historiques. Ainsi, les humanités, ou sciences humaines, ont progressivement élargi leur cosmos de culture et en quelque mesure déplacé l'accent de leurs préoccupations. Celui même qui d'instinct se sent en sympathie avec la définition toute simple des humanités comme latin-grec, et qui la tient pour essentiellement valable aussi longtemps que nous recourons à des idées et expressions telles, par exemple que celles d'idées et d'expressions, celui-là même doit avouer qu'une telle définition est devenue un soupçon étriqué. Bien plus, l'univers des humanités est régi par une théorie de la relativité culturelle, analogue à celle des physiciens. Et puisque le cosmos de culture est si petit comparé au cosmos de nature, la relativité culturelle est plus apparente à l'échelle terrestre. Elle fut observée beaucoup plus tôt. Tout concept historique se fonde, c'est l'évidence, sur les catégories d'espace et de temps. Les souvenirs témoins de l'homme, avec ce qu'ils impliquent, doivent être datés et localisés. Mais ces deux actes se révèlent comme les deux faces d'une opération unique. Si je date un tableau des années 1400, mon assertion reste vide de sens tant que je n'ai su indiquer où il a pu être peint à cette date. En retour, si j'attribue un tableau à l'école florentine, je dois pouvoir préciser quand il a pu être peint dans cette école. Le cosmos de culture, aussi bien que le cosmos de nature, est une structure spatio-temporelle. L'année 1400 prend un tout autre sens à Venise et à Florence, pour ne pas en parler d'Augsbourg, de la Russie ou de Constantinople. Deux phénomènes historiques sont simultanés, ou ont entre eux une relation temporelle déterminable, dans la mesure seulement où l'on peut les rapporter à un cadre de référence unique. S'il fait défaut, le concept même de simultanéité devient aussi dépourvu de sens en histoire qu'en physique. À supposer que nous puissions établir par quelque enchaînement de circonstances que telle sculpture nègre a été exécutée en 1510, il n'y aurait aucun sens à dire qu'elle est contemporaine du plafond peint par Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Enfin, la succession des démarches qui organisent les données en un cosmos de nature ou de culture est analogue, et il en va de même pour les problèmes de méthode qu'implique ce processus. En premier lieu, nous l'avons dit, vient l'observation du phénomène naturel ou l'examen des souvenirs témoins de l'homme. Puis ceux-ci doivent être décodés et interprétés, tout comme les messages de la nature que capte l'observateur. Les résultats, enfin, doivent être classés et coordonnés en un système cohérent qui offre un sens. Or, nous avons vu que même la sélection des matériaux soumis à observation ou examen était en quelque mesure prédéterminée par une théorie ou par une conception générale de l'histoire. Ceci est plus évident encore pour le processus d'investigation même. Chacune des étapes en direction du système qui offre un sens présuppose non seulement celle qui la précède, mais aussi celle qui la suit. Quand un savant observe un phénomène, il recourt à des instruments, qui sont eux-mêmes soumis aux lois naturelles qu'il veut explorer. Quand l'humaniste examine un souvenir témoin de l'homme, il recourt à des documents, qui sont eux-mêmes les produits de cette histoire qu'il veut élucider. Supposons que je découvre dans les archives d'une petite ville de Rhénanie un contrat daté de 1471 et confirmé par des actes de paiement selon lequel le peintre local Johann Kieffrost a reçu commande pour l'église Saint-Jacques d'un retable représentant la nativité sur le panneau central et les Saint-Pierre et Paul sur les volets latéraux. Supposons en outre que je découvre dans l'église Saint-Jacques un retable correspondant à ce contrat. Nous disposerions en ce cas d'une documentation aussi bonne et simple que nous puissions l'espérer, bien meilleur et plus simple que si nous avions affaire à une source indirecte comme une lettre, comme une description dans quelques chroniques, biographies, journal de voyage ou poèmes. Et pourtant, de nombreuses questions se poseraient. Le document peut être un original, une copie ou un faux. Si c'est une copie, elle peut être fautive, et même si c'est un original, certaines données peuvent être inexactes. Quant au retable, il peut s'agir de celui auquel se rapporte le contrat. Mais il est également possible que l'original ait été détruite au cours des troubles iconoclastes de 1535 et remplacée par un retable représentant les mêmes sujets, mais exécuté vers 1550 par un peintre d'Anvers. Pour atteindre à quelques degrés de certitude, nous devrions confronter le document à d'autres documents de date et de provenance semblables, le retable à d'autres tableaux exécutés en Rhénanie vers 1470. Mais ici, deux difficultés s'élèvent. En premier lieu, il va de soi que confronter est impossible si nous ne savons ce qu'il s'agit de confronter. Nous aurons à dégager certains traits caractéristiques, certains critères, comme un type donné d'écriture, ou quelques termes techniques employés dans le contrat,
ou quelques particularités formelles ou iconographiques du retable. Mais puisque nous ne pouvons analyser ce que nous ne comprenons pas, notre examen revient à présupposer un décodage et une interprétation. En second lieu, aucune des données auxquelles nous confrontons le cas qui fait problème n'offre de meilleure garantie que ce cas lui-même. Considéré isolément, n'importe quel autre monument signé et daté est tout juste aussi douteux que le retable commandé à Johann Key et Frost en 1471, car il est clair qu'une signature sur un tableau peut-être est souvent tout aussi sujette à caution qu'un document relatif à un tableau. C'est seulement en nous fondant sur l'ensemble d'un groupe ou d'une classe de données que nous pourrons décider si, tant sur le plan du style que de l'iconographie, notre retable était possible en Rhénanie autour de 1470. Mais évidemment, une classification présuppose l'idée du tout auquel les classes appartiennent, autrement dit, elle présuppose la conception historique d'ensemble que nous essayons d'édifier à partir de nos cas particuliers. De quelque façon que nous retournions la question, le début de notre enquête semble toujours présupposer sa fin, et les documents qui sont censés expliquer les monuments sont tout juste aussi énigmatiques que les monuments eux-mêmes. Il n'y a rien d'impossible à ce que tel terme technique de notre contrat soit un mot grec, explicable uniquement à partir de ce seul retable. Et ce qu'un artiste a pu dire de ses œuvres doit toujours s'interpréter à la lumière des œuvres mêmes. Nous voici apparemment enfermés sans espoir dans un cercle vicieux. Apparemment, disais-je. Car il s'agit en réalité de ce que les philosophes appellent une situation organique. Deux jambes sans corps ne peuvent marcher, ni un corps sans jambes, pourtant un homme peut marcher. Il est bien vrai que les monuments et documents particuliers ne peuvent être examinés, interprétés et classifiés qu'à la lumière d'une conception historique d'ensemble, et qu'en retour, cette conception historique d'ensemble ne peut être édifiée qu'à partir de monuments et documents particuliers. Tout comme la compréhension des phénomènes naturels et l'usage des instruments scientifiques renvoient à une théorie physique d'ensemble et vice-versa. Mais cette situation ne débouche nullement sur une impasse. Chaque découverte d'un fait historique inconnu et chaque interprétation nouvelle d'un fait historique connu, ou bien s'accorderont à la conception d'ensemble qui prévaut, et par là viendront la corroborer et l'enrichir, ou bien introduiront en elle une modification de détail, si ce n'est un changement radical, et par là jetteront un jour nouveau sur la totalité des connaissances précédemment acquises. Dans l'un et l'autre cas, le système donateur de sens fonctionne à la façon d'un organisme cohérent et pourtant souple. Comme un animal vivant, par opposition à ses membres pris isolément. Et ce qui vaut pour la relation des documents et monuments avec une conception historique d'ensemble dans les humanités, vaut aussi pour la relation des phénomènes et instruments avec une théorie dans les sciences de la nature. J'ai parlé du retable de 1471 comme d'un monument et du contrat comme d'un document. C'est-à-dire que j'ai considéré le retable comme un objet d'investigation ou matériau primaire et le contrat comme un instrument d'investigation ou matériau secondaire. Ce faisant, j'ai parlé en historien de l'art, car un paléographe ou un historien du droit auraient traité le contrat en monument ou matériau primaire. Et tous deux peuvent fort bien utiliser des tableaux comme documents. À moins qu'un érudit ne s'intéresse exclusivement à ce que nous appelons événements, en ce cas, il considère toute donnée culturelle comme matériau secondaire en vue de reconstituer les événements, tout ce qui est monument pour quelqu'un sert de document à quelque autre, et inversement. Dans la pratique, nous sommes même obligés d'annexer des monuments qui appartiennent de plein droit à nos collègues. Mainte œuvre d'art a été interprétée par un philologue ou un historien de la médecine, et maint texte pouvait seulement être interprété par un historien de l'art. Un historien de l'art est donc un humaniste qui prend pour matériau primaire ses souvenirs témoins de l'homme qui sont parvenus jusqu'à nous sous forme d'œuvre d'art. Mais qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Une œuvre d'art n'est pas toujours créée dans le but exclusif de procurer un plaisir, ou pour employer une expression plus philosophique, d'être esthétiquement perçue. La fin de l'art est la délectation. Cette maxime de Poussin avait une portée révolutionnaire, car les écrivains jusqu'alors avaient toujours insisté sur l'idée que l'art, quelque plaisir qu'on y pût prendre, était aussi, en quelque façon, utile. Mais toujours une œuvre d'art possède une signification esthétique, à ne pas confondre avec la valeur esthétique. Qu'elle ait ou non servi une intention pratique, et qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle demande à être esthétiquement perçue. Il est possible de percevoir tout objet, naturel ou créé par l'homme, sur le mode esthétique. Nous le faisons pour parler en termes aussi simples qu'il est possible, quand nous nous en tenons à le regarder ou à l'écouter sans aucune référence intellectuelle ni émotive à quoi que ce soit d'extérieur à lui. Quand on regarde un arbre en charpentier, on lui associera les divers usages qu'on pourrait faire de son bois. En ornithologue, on lui associera les oiseaux qui peuvent y nicher. Quant à une course de chevaux, un joueur observe l'animal sur lequel il a misé, il associera à sa performance le désir qu'il a de le voir gagner. Seul celui qui s'abandonne simplement et tout entier à l'objet de sa perception l'aperçoit esthétiquement. Mais il faut distinguer. En face d'un objet naturel, il dépend de nous seuls que nous choisissions ou non de le percevoir esthétiquement.
Un objet créé de main d'homme, au contraire, sollicite ou ne sollicite pas une telle perception. Il est investi, disent les philosophes, d'une intention. Si je choisissais, comme il m'est loisible de le faire, de percevoir esthétiquement un feu rouge réglant la circulation, au lieu de l'associer à l'idée d'appuyer sur mon frein, j'agirais contre l'intention des feux rouges. Les objets créés de main d'homme qui ne sollicitent pas une perception d'ordre esthétique sont communément appelés pratiques. On peut les répartir en deux classes, les véhicules d'information et les outils ou appareils. Un véhicule d'information a pour intention de transmettre un concept. Un outil ou appareil a pour intention de remplir une fonction. Fonction qui, à son tour, peut consister à produire ou transmettre des informations, comme c'est le cas pour une machine à écrire ou pour le feu rouge dont je parlais. La plupart des objets qui sollicitent une perception d'ordre esthétique, c'est-à-dire des œuvres d'art, relèvent aussi de l'une ou l'autre de ces deux classes. Un poème ou une peinture d'histoire est en un sens un véhicule d'information. Le Panthéon et les candélabres de Milan sont en un sens des appareils, et les tombeaux que sculpta Michel-Ange pour Laurent et Julien de Médicis sont en un sens l'un et l'autre. Mais j'ai dit en un sens, et cela fait la différence. Dans le cas d'un simple véhicule d'information, d'un simple outil ou appareil, l'intention est attachée une fois pour toutes à l'idée du travail à fournir, le sens qu'il faut transmettre, la fonction qu'il faut remplir. Dans le cas d'une œuvre d'art, l'intérêt porté à l'idée est contrebalancé, peut même être éclipsé par l'intérêt porté à la forme. Toutefois, l'élément formel est présent dans tout objet sans exception, puisque tout objet est fait d'une matière et d'une forme. Et l'on voit mal comment déterminer avec une précision scientifique dans quelle mesure, en un cas donné, l'accent est ou non porté sur cet élément formel. C'est pourquoi l'on ne peut pas, et l'on ne doit pas, tenter de définir le moment précis où soit un appareil, soit un véhicule d'information commence à devenir œuvre d'art. Si j'écris à un ami pour l'inviter à dîner, ma lettre a pour premier but de communiquer une information. Mais plus je porte l'accent sur la forme de mon écriture, plus elle tend à devenir œuvre de calligraphie. Plus je porte l'accent sur la forme de mon langage, pourquoi n'irais-je pas jusqu'à inviter mon ami par un sonnet ? Plus elle tend à devenir œuvre de littérature ou de poésie. Ainsi, la ligne de démarcation où s'achève le domaine des objets pratiques et où commence celui de l'art dépend de l'intention des créateurs. Intention qui ne peut être déterminée d'une façon absolue. D'abord parce que des intentions ne sont pas susceptibles, percées en soi, d'être définies avec une précision scientifique. Ensuite, parce que les intentions d'hommes produisant quelque objet que ce soit sont conditionnées par les normes de leur époque et de leur milieu. Le goût classique exigeait que les lettres privées, les plaidoiries juridiques et les boucliers de héros fussent artistiques, avec pour résultat possible une beauté que nous qualifierons de maquillée. Le goût moderne exige que l'architecture et les cendriers soient fonctionnels, avec pour résultat possible ce que nous pourrions appeler une efficacité maquillée. En dernier lieu, parce que notre façon d'apprécier ces intentions est inévitablement influencée par notre propre attitude, laquelle à son tour dépend à la fois de nos expériences personnelles et de notre contexte historique, nous avons tous vu de nos yeux les cuillères et fétiches d'Afrique transférées des musées d'ethnologie aux expositions d'art. Une certitude n'en est pas moins acquise. Plus la proportion entre les accents portés sur l'idée et sur la forme approche un état d'équilibre, et plus éloquemment l'œuvre révélera son contenu. Ce contenu, au sens où je l'entends par opposition au sujet traité, peut être décrit, selon les termes de Peirce, comme « that which a work betrays but does not parade », ce qu'une œuvre laisse voir sans en faire parade. C'est la mentalité de base d'une nation, d'une période, d'une classe, d'une conviction religieuse ou philosophique, particularisée inconsciemment par les qualités propres à une personnalité et condensée en une œuvre unique. Il est clair qu'une telle révélation involontaire sera obscurcie dans la proportion même où l'une des deux composantes, idée ou forme, aura été délibérément accentuée aux dépens de l'autre ou supprimée à son profit. Il se peut qu'une machine à filer soit la plus impressionnante manifestation d'une idée fonctionnelle et un tableau abstrait la plus expressive manifestation de forme pure. Mais l'un et l'autre ont un minimum de contenu. En définissant l'œuvre d'art comme un objet créé de main d'homme, qui sollicite une perception d'ordre esthétique, nous rencontrons pour la première fois une différence fondamentale entre les humanités et les sciences de la nature. Le savant, qui a affaire aux phénomènes naturels, peut d'emblée procéder à leur analyse. L'humaniste, qui a affaire à des actions et créations humaines, doit s'engager dans un processus mental de caractère synthétique et subjectif. Il doit mentalement réaccomplir ses actions et recréer ses créations. C'est en fait par ce processus que les objets réels des humanités accèdent à l'existence. Car il est évident qu'un historien de la philosophie ou de la sculpture ne s'occupe pas des livres ou de statues en tant qu'ils sont dotés d'une existence matérielle, mais en tant qu'ils sont porteurs de significations. Et il n'est pas moins évident que le seul moyen d'appréhender ces significations est de reproduire, et par là, littéralement, de réaliser les pensées qu'expriment les livres, les conceptions artistiques qu'incarnent les statues. L'historien de l'art soumet ses matériaux à une analyse archéologique rationnelle,
parfois aussi méticuleusement exacte, aussi compréhensive et exhaustive que n'importe quelle enquête de physique ou d'astronomie. Mais ces matériaux, c'est lui-même qui les constitue, au moyen d'une recréation esthétique intuitive qui inclut la perception et l'appréciation de la qualité, tout comme fait n'importe quel profane en regardant un tableau ou écoutant une symphonie. Mais alors, comment élever l'histoire de l'art au statut d'une discipline érudite et respectable si ces objets mêmes n'acceptent à l'existence qu'au terme d'un processus irrationnel et subjectif? On ne saurait bien sûr répondre à la question en se référant aux méthodes scientifiques qui ont été ou pourraient être introduites dans l'histoire de l'art. Le recours à l'analyse chimique des matériaux, aux rayons X, ultraviolets ou infrarouges, à la macrophotographie est certes très utile, mais ne concerne en rien le problème fondamental de méthodologie. Un exposé tendant à démontrer que les pigments d'une miniature prétendue médiévale n'ont pas été inventés avant le XIXe siècle peut trancher une question d'histoire de l'art, mais ce n'est pas en soi un exposé d'histoire de l'art. Étayé comme il l'est sur l'analyse chimique et sur l'histoire de la chimie, il se rapporte à la miniature non pas en tant qu'œuvre d'art, mais en tant qu'objet physique, et pourrait tout aussi bien concerner un testament falsifié. D'autre part, l'usage de rayons X, de macrophotographies, etc. ne diffère pas, du point de vue méthodologique, du recours aux lunettes ou à la longue vue. Ces dispositifs permettent à l'historien de l'art de voir davantage qu'il n'eût fait en eux, mais sur ce qu'il voit, il n'indique rien. La tâche demeure entière d'une interprétation stylistique, comme pour ce qu'il perçoit à l'œil nu. La vraie réponse réside en ceci, que la recréation esthétique intuitive et l'enquête archéologique sont interdépendantes. À nouveau, voici une situation organique. Il n'est pas vrai que l'historien de l'art constitue d'abord son objet par une synthèse recréatrice et ensuite seulement entreprenne son enquête archéologique comme s'il commençait par acheter son billet avant de montrer dans le train. En réalité, les deux démarches ne se succèdent pas, elles s'interpénètrent. La synthèse recréatrice sert de fondement à l'enquête archéologique. En retour, l'enquête archéologique sert de fondement au processus recréateur. L'une et l'autre se qualifient et se rectifient mutuellement. Quiconque est mis en présence d'une œuvre d'art, soit qu'il la recrée esthétiquement ou mène à son propos une enquête rationnelle, est affecté par ces trois composantes. Forme concrète, idée, dans le cas des arts plastiques, le sujet, et contenu. La théorie pseudo-impressionniste, qui veut que la forme et le coloris nous parlent de formes et de coloris, un point c'est tout, est tout simplement fausse. C'est l'unité entre ces trois composantes qui s'actualise dans l'expérience esthétique, et toutes trois concourent à ce qu'on appelle le plaisir esthétique. Par conséquent, l'expérience recréatrice d'une œuvre d'art ne dépend pas seulement de la sensibilité naturelle du spectateur et de son entraînement visuel, mais aussi de son équipement culturel. Il n'existe rien de tel qu'un spectateur totalement naïf. Le spectateur prétendu naïf, au Moyen-Âge, avait beaucoup à apprendre et un peu à oublier, avant de pouvoir apprécier la statuaire et l'architecture classique. Il avait, après la Renaissance, beaucoup à oublier et un peu à apprendre avant de pouvoir apprécier l'art médiéval, pour ne rien dire des arts primitifs. Ainsi, le spectateur prétendu naïf ne se borne pas à goûter l'œuvre d'art, mais encore, à son insu, il l'évalue et l'interprète. Et nul ne peut le blâmer de le faire sans s'inquiéter si son évaluation et son interprétation sont justes ou non, sans se rendre compte que son propre équipement culturel, tel qu'il est, intervient dans l'objet de son expérience. L'historien de l'art diffère du spectateur naïf en ce qu'il a pris conscience de cette situation. Il sait que son équipement culturel, tel qu'il est, ne pourrait s'harmoniser avec celui d'hommes nés en d'autres temps, sous d'autres cieux. Il tente par suite des réajustements en s'informant autant qu'il lui est possible sur les circonstances dans lesquelles les objets qu'il étudie furent créés. Non seulement il accumulera et vérifiera toutes les informations accessibles sur les faits, telles que la technique employée, l'état de conservation, l'époque d'exécution, l'attribution, la destination, etc., mais encore, il confrontera l'œuvre avec d'autres de sa catégorie. Il examinera les textes propres à refléter les critères esthétiques de son pays et de son temps, en vue de parvenir à une appréciation plus objective de sa qualité. Il lira de vieux livres sur la théologie ou la mythologie pour en identifier le sujet. Il s'efforcera d'en déterminer le locus historique et d'isoler la contribution personnelle de son auteur par rapport à ses prédécesseurs et à ses contemporains. Il étudiera les principes formels qui contrôlent la représentation du monde visible ou en architecture le maniement du répertoire structural et de la sorte édifiera une histoire des motifs. Il observera l'interférence des sources littéraires avec les traditions autonomes de représentation et de la sorte édifiera une histoire des formules iconographiques ou types. Enfin, il fera de son mieux pour se familiariser avec les habitudes sociales, religieuses et philosophiques d'autres temps et d'autres lieux, afin de rectifier sa propre sensibilité subjective à l'égard du contenu. Mais tandis qu'il entreprend tout ceci, sa perception esthétique en tant que telle va corrélativement se transformer et s'adapter de mieux en mieux à l'intention originelle des œuvres. Ce faisant, l'historien de l'art, par opposition à l'amateur d'art prétendu naïf, n'érige pas une superstructure rationnelle sur des fondations irrationnelles. Il développe au contraire ses expériences recréatrices de façon à les conformer aux résultats de son enquête archéologique, tout en confrontant sans discontinuer son enquête archéologique à l'évidence de ses expériences recréatrices.
Léonard de Vinci a dit « Deux faiblesses qui s'appuient l'une sur l'autre produisent ensemble une force. Les deux moitiés d'un arc ne peuvent même pas se tenir debout toutes seules. L'arc entier supporte une charge. » De même, l'enquête archéologique est aveugle et vide sans recréation esthétique, et la recréation esthétique est irrationnelle, souvent fourvoyée, sans enquête archéologique. Mais en s'appuyant l'une sur l'autre, toutes deux peuvent supporter le système donateur de sens qui est une synopsis historique. Comme je l'ai dit, nul ne peut être blâmé pour prendre aux œuvres d'art un plaisir naïf, pour les évaluer et les interpréter en fonction de ses propres lumières, sans chercher plus loin. Mais l'humaniste regardera d'un œil soupçonneux l'appréciationnisme, l'esthétique qui pose en principe l'appréciation subjective. Celui qui prétend instruire le profane à comprendre l'art sans s'encombrer de langues anciennes, de fastidieuses méthodes historiques et de vieux documents poussiéreux, celui-là ôte à la naïveté son charme, sans corriger ses erreurs. Il ne faut pas confondre l'appréciationnisme avec l'attitude du connaisseur ni du théoricien de l'art. Le connaisseur est le collectionneur, conservateur de musée ou expert, qui délibérément limite son apport scientifique à identifier des œuvres d'art quant à leur date, leur provenance et leur auteur, à les évaluer quant à leur qualité et leur état de conservation. S'il diffère de l'historien de l'art, c'est moins une question de principe que d'accentuation et d'explicitation. Leur différence est à peu près celle qui distingue le diagnosticien du chercheur en médecine. Le connaisseur tente à porter l'accent sur l'aspect recréateur du processus complexe que j'ai tâché de décrire et tient pour secondaire la tâche d'édifier une conception historique. L'historien de l'art, au sens étroit, universitaire, tente à inverser les termes. Mais le simple diagnostic, cancer, s'il est correct, implique tout ce que le chercheur en médecine pourrait nous apprendre du cancer et par suite doit être vérifiable par une analyse scientifique ultérieure. De même, le simple diagnostic Rembrandt vers 1650, s'il est correct, implique tout ce que l'historien de l'art pourrait nous apprendre sur les qualités formelles du tableau, sur l'interprétation du sujet traité, sur la façon dont il reflète le contexte culturel de la Hollande au XVIIe siècle, dont il exprime la personnalité de Rembrandt. Et ce diagnostic, lui aussi, sollicite la critique de l'historien de l'art au sens étroit. On pourrait donc définir le connaisseur comme un historien de l'art laconique et l'historien de l'art comme un connaisseur loquace. C'est en fait, les meilleurs représentants des deux catégories ont apporté une contribution majeure à ce qu'eux-mêmes ne considéraient pas comme leur activité propre. D'autre part, la théorie de l'art, par opposition à la philosophie de l'art ou esthétique, est à l'histoire de l'art ce que la poétique et la rhétorique sont à l'histoire de la littérature. Étant donné que les objets de l'histoire de l'art n'accèdent à l'existence qu'au terme d'un processus de synthèse esthétique recréatrice, l'historien de l'art doit affronter une difficulté particulière quand il s'efforce de caractériser la structure stylistique des œuvres qu'il étudie. Puisqu'il doit les décrire non pas en tant que corps physique ou substitut de corps physique, mais en tant qu'objet d'une expérience interne, il lui serait inutile, à supposer que ce fût possible, d'exprimer les formes, couleurs et détails de construction en termes de formules géométriques, de longueurs d'onde et d'équations isostatiques, ou de décrire les postures d'une figure humaine en termes d'analyse anatomique. D'autre part, puisque son expérience interne n'est ni libre ni purement subjective, car elle a été esquissée pour lui par les activités délibérées d'un artiste, il ne doit aucunement se limiter à consigner ses impressions personnelles devant l'œuvre d'art, comme un poète noterait l'impression que produit sur lui un paysage ou le chant du rossignol. Par suite, les objets de l'histoire de l'art ne peuvent être analysés qu'au moyen d'une terminologie tout aussi reconstructrice que l'expérience de l'historien de l'art est recréatrice. Il ne doit décrire les particularités stylistiques ni comme des données mesurables ou déterminables par quelques procédés scientifiques, ni comme des stimuli pour ses réactions subjectives, mais en tant qu'elles témoignent d'intentions artistiques. Comment formuler ces intentions ? En termes seulement d'options possibles, force est de supposer que l'auteur de l'œuvre ait eu plus d'une possibilité d'action, autrement dit, se soit vu contraint de choisir entre plusieurs parties. Il apparaît ainsi que le langage employé par l'historien de l'art interprète les particularités stylistiques des œuvres comme des solutions spécifiques à des problèmes artistiques généraux. Ce n'est pas le cas seulement pour notre terminologie moderne, mais même pour des expressions comme « rilievo », « sfumato », etc., qu'on trouve dans les textes du XVIe siècle. Quand nous disons d'un personnage dans un tableau de la Renaissance italienne qu'il a un caractère plastique, et quand nous décrivons un personnage dans une peinture chinoise comme doué de volume mais non de masse, par suite de l'absence de modelé, nous interprétons sa figure comme deux différentes solutions à un problème qu'on pourrait énoncer comme l'alternative entre unité volumétrique, corps, et extension illimitée, espace. Quand nous distinguons entre l'emploi de la ligne comme contour et, pour citer Balzac, comme le moyen par lequel l'homme se rend compte de l'effet de la lumière sur les objets, nous nous référons au même problème tout en portant un accent particulier sur une autre alternative entre ligne et champ de coloris. À la réflexion, il apparaîtra que le nombre de ces problèmes primaires est limité, mais qu'ils sont en mutuelle interrelation. De sorte qu'ils débouchent d'un côté sur une infinité de problèmes secondaires ou tertiaires, et d'autre côté peuvent en dernière instance être ramenés à une antinomie fondamentale entre différenciation et continuité.
Formuler et systématiser les problèmes artistiques, bien entendu, loin de les limiter au domaine des valeurs formelles, il faut y inclure les structures stylistiques du sujet et du contenu, serait édifier un système des concepts fondamentaux de l'histoire de l'art. C'est le propos de la théorie de l'art, non de l'histoire de l'art. Mais ici, pour la troisième fois, nous rencontrons une situation organique. L'historien de l'art, nous l'avons vu, ne peut décrire les objets de son expérience recréatrice sans reconstruire les intentions artistiques en termes qui impliquent des concepts théoriques généraux. Ce faisant, il contribuera consciemment tout le monde au progrès de la théorie de l'art qui, privée d'exemples historiques, resterait un schème étriqué d'universaux abstraits. Le théoricien de l'art, pour sa part, soit qu'il aborde son objet du point de vue de la critique kantienne ou de l'épistémologie néoscolastique ou de la gestalt-psychologie, ne peut édifier un système de concepts généraux sans référence aux œuvres d'art qui ont vu le jour dans un contexte historique précis. Ce faisant, il contribuera consciemment tout le monde au progrès de l'histoire de l'art qui, privé d'orientation théorique, resterait un conglomérat de détails inarticulés. Nous disions du connaisseur qu'il est un historien de l'art laconique et de l'historien de l'art qu'il est un connaisseur loquace. La relation entre l'historien et le théoricien de l'art pourrait se comparer à celle de deux voisins qui auraient droit de chasse sur le même terrain, mais dont l'un posséderait le fusil et l'autre les munitions. Les deux parties seraient bien avisées de se rendre compte qu'il leur est nécessaire de collaborer. On a dit à juste titre que si la théorie n'entrait par la grande porte dans une discipline empirique, elle y pénétrerait comme un fantôme par la cheminée en mettant le mobilier sens dessus-dessous. Mais il n'est pas moins vrai que si l'histoire n'entre par la grande porte d'une discipline théorique traitant du même ordre d'objet, elle envahit la cave comme une horde de souris et ronge les fondations. On peut tenir pour acquis que l'histoire de l'art doit être comptée au nombre des disciplines humanistes. Mais les disciplines humanistes, de quoi servent-elles ? Convenons qu'elles n'ont pas de but pratique et qu'elles ne s'occupent que du passé. Pourquoi, demandera-t-on, nous engager dans une enquête sans portée pratique et nous intéresser au passé ? Cette question est à double face. Au premier point, la réponse est « parce que le réel ne nous est pas étranger ». Les disciplines humanistes, tout comme les sciences de la nature et aussi les mathématiques, la philosophie, partagent la perspective sans portée pratique de ce que les anciens nommaient « vita contemplativa » par opposition à « vita activa ». Mais la vie contemplative est-elle moins réelle que la vie active ? Ou pour être plus précis, sa contribution est-elle moins importante à ce que nous appelons la réalité ? Celui qui accepte un billet de banque en échange de 25 pommes accomplit un acte de foi et se soumet à une doctrine théorique, au même titre que l'homme du Moyen-Âge qui achetait une indulgence. Celui qui est écrasé par une automobile est écrasé par les mathématiques, la physique et la chimie. Car quiconque mène la vie contemplative ne peut s'empêcher d'influer sur la vie active, tout comme il ne peut empêcher la vie active d'influer sur sa pensée. Les théories philosophiques et psychologiques, les doctrines historiques, les spéculations et découvertes de tout ordre ont changé, continuent à changer les vies humaines par millions. Même celui qui se borne à transmettre la science ou les connaissances participe, sur son modeste plan, à ce processus de transformation du réel. Et de cela, les ennemis de l'humanisme ont peut-être une conscience plus aiguë que ses amis. Il est impossible de concevoir notre monde en termes d'action seulement. En Dieu seul, comme disent les scolastiques, l'acte et la pensée coïncident. Notre réalité ne se peut comprendre que comme une interpénétration entre les deux. Mais même en ces conditions, pourquoi nous intéresser au passé ? La réponse est la même, parce que le réel ne nous est pas étranger. Il n'est rien de moins réel que le présent. Voici une heure, cette conférence relevait du futur. Dans 4 minutes, elle relèvera du passé. Quand je disais d'un homme écrasé par une automobile qu'il était écrasé par les mathématiques, la physique et la chimie, j'aurais pu dire qu'il l'était par Euclide, Archimède et Lavoisier. Pour saisir la réalité, nous avons à nous détacher du présent. La philosophie et les mathématiques y parviennent en édifiant leur système dans une sphère qui, par définition, échappe au temps. Les sciences naturelles et les humanités le font en créant cette structure spatio-temporelle que j'ai appelée cosmos de nature et cosmos de culture. Peut-être touchons-nous ici à la plus fondamentale des différences entre humanités et sciences naturelles, car les sciences naturelles observent les processus de la nature liés au temps en tâchant de saisir les lois intemporelles selon lesquelles ils se déroulent. L'observation physique n'est possible que s'il se passe quelque chose, c'est-à-dire quand un changement se produit ou qu'on le provoque par l'expérimentation. Et ce sont ces changements qu'au bout du compte on symbolise par des formules mathématiques. Les humanités, pour leur part, n'assument pas la tâche de fixer ce qui se fut écoulé, mais de rappeler à la vie ce qui fut demeuré mort. Au lieu d'avoir affaire à des phénomènes temporels et de contraindre le temps à s'arrêter, elles pénètrent dans une zone où le temps de lui-même s'est arrêté et tentent de le remettre en marche. En examinant ces souvenirs témoins, ces vestiges glacés, pétrifiés, dont j'ai dit qu'ils émergeaient du cours du temps, les humanités s'efforcent de saisir le processus au cours duquel ils furent produits et sont devenus ce qu'ils sont. En insufflant ainsi une vie dynamique à des vestiges inertes, au lieu de ramener des événements transitoires à des lois statiques, les humanités n'entrent pas en conflit avec les sciences naturelles, elles les complètent. En réalité, chacune des deux démarches présuppose et sollicite l'autre.
La science, entendue ici au vrai sens du terme, comme une quête sereine et autonome du savoir, non comme un moyen subordonné à des fins pratiques, et les humanités sont sœurs, car elles sont nées de ce même mouvement qu'à juste titre on a appelé la découverte, ou pour élargir la perspective historique, redécouverte, tout ensemble de l'homme et du monde. Comme elles sont nées et renées ensemble, elles mourront et ressusciteront ensemble, si ainsi le veut le destin. Si la civilisation anthropocentrique de la Renaissance est supplantée, comme il semble, par un Moyen-Âge à rebours, une satanocratie par opposition à la théocratie médiévale, alors non seulement les humanités, mais encore les sciences naturelles, telles que nous les connaissons, sont vouées à disparaître, et rien ne subsistera que ce qui peut servir la dictature de l'infra-humain. Mais cela même ne signifiera pas la fin de l'humanisme. Prométhée a pu être enchaîné, torturé, le feu allumé par sa torche n'a pu être éteint. Une subtile différence existe en latin entre « scientia » et « eruditio », en anglaise entre « knowledge » et « learning ». « Scientia »,« knowledge » dénote une possession mentale du savoir plutôt qu'un processus mental. On peut l'identifier aux sciences naturelles. « Eruditio »,« learning », dénote un processus de connaissance plutôt qu'une possession. C'est le cas pour les humanités. On pourrait comparer le but idéal de la science à une domination et celui des humanités à une sagesse. Marcile Fissin écrivait au fils de Poggio Bracciolini, l'histoire est de la dernière nécessité non seulement pour rendre la vie agréable, mais pour lui conférer des valeurs morales. Ce qui en soi est mortel accède par l'histoire à l'immortalité, ce qui est absent devient présent, les vieilles choses rajeunissent, les jeunes gens égalent bien vite la maturité des gens âgés. Si un homme de 70 ans passe pour avisé en raison même de son expérience, combien plus avisé sera celui dont la vie s'étend sur un millier, sur 3 milliers d'années ? Or, on peut dire d'un homme qu'il a vécu autant de millénaires qu'il en embrasse par sa connaissance de l'histoire. Fin de cette première partie sur Panofsky, très intéressante. Dans l'avant-propos, c'est qui a rédigé l'avant-propos ? C'est Bernard Tessèdre. Je voudrais lire ce qu'il écrit sur cette première partie. C'est très court, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Première partie, donc, ça s'appelle « Problème de méthode ». Le chapitre « L'histoire de l'art est une discipline humaniste » fut publié sous le titre « The History of Art as a Humanistic Discipline and the Meaning of the Humanities », recueil collectif sous la direction du professeur T.M. Green en 1940, Princeton University Press. Il fut repris sous le même titre comme introduction à « Meaning in the Visual Arts ». Une première traduction en fut présentée au public français dans l'information d'Histoire de l'art. Histoire de l'art et les disciplines humanistes. Les circonstances de sa rédaction ont laissé sur ce texte leur empreinte. Le directeur du recueil, T.M. Green, était le collègue et l'ami de Panofsky. Le concept si important de situation organique est emprunté à sa philosophie. En 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas sans raison que des intellectuels américains, surtout s'ils se considéraient avec Panofsky comme des Européens transplantés, ou plus précisément chassés par les nazis, pouvaient s'interroger sur la signification des humanités et sur leur destin. Le contexte historique... Ah, faut que je boive. Rend compte du ton tout ensemble antifasciste et antisoviétique qui affleure parfois, comme des résonances angoissées qui entourent l'apologie de l'humanisme et qui vont jusqu'au pressentiment d'une satanocratie jusqu'à une veillée d'apocalypse. Mais ces accents personnels ne font que mettre en plus vive lumière l'exceptionnelle portée théorique du chapitre. En tant qu'homme et en tant qu'historien, Panofsky s'est engagé entier en ce qu'il dit. Pour donner à ce texte son plein sens, il faudrait le rapprocher de celui sur iconographie et iconologie. L'auteur l'indiquait assez clairement en se référant plusieurs fois à lui et en le reprenant comme chapitre premier en tête de « Meaning in the Visual Arts ». Nous ne pouvions faire de même dans le présent ouvrage puisque nous avions publié quelques mois plus tôt ce texte dans un autre livre de la même collection, « Les essais d'iconologie ». Il nous a paru pourtant nécessaire d'en reproduire un extrait où sont élaborés les trois niveaux de signification, les concepts de sujet et de contenu. Supposons qu'une personne de ma connaissance, rencontrée dans la rue, me salue en soulevant son chapeau. Ce que je vois d'un point de vue formel n'est autre que la modification de certains détails au sein d'une configuration participant au type général de couleurs, lignes et volumes qui constituent mon univers visuel. Quand j'identifie, et je le fais spontanément, cette configuration comme un objet, un monsieur, et la modification des détails comme un événement, soulever son chapeau, j'ai déjà franchi le seuil de la perception purement formelle pour pénétrer dans une première sphère de signification ou sujet. La signification ainsi perçue est de nature élémentaire et facile à comprendre. Nous l'appellerons signification de fait, factuelle. Je la saisis en identifiant tout simplement certaines formes visibles à certains objets connus de moi par expérience pratique, et en identifiant le changement survenu dans leurs relations à certaines actions ou événements. Les objets et événements ainsi identifiés vont naturellement produire en moi une certaine réaction.
D'après la manière dont la personne en question accomplit son geste, je puis me rendre compte si elle est de bonne ou de mauvaise humeur, si ses sentiments à mon égard sont indifférents, amicaux ou hostiles. Ces nuances psychologiques vont conférer à ces gestes une signification d'un autre ordre, que nous appellerons expressive. Elle diffère de la signification de fait en ceci qu'elle n'est plus saisie par simple identification perceptive, mais par empathie. Pour la comprendre, j'ai besoin d'une certaine sensibilité. Mais cette sensibilité fait partie, elle aussi, de mon expérience pratique, c'est-à-dire de mon rapport familier, quotidien, avec des objets et événements. C'est pourquoi la signification de fait et la signification expressive peuvent toutes deux entrer sous une même classe, celle des significations primaires ou naturelles. Toutefois, quand je prends conscience que soulever son chapeau équivaut à saluer, j'accède à un domaine tout différent d'interprétation. Cette forme de salut est propre au monde occidental. C'est une survivance de la chevalerie médiévale. Les hommes d'armes avaient coutume d'ôter leur casque pour témoigner de leurs intentions pacifiques et de leur confiance dans les intentions pacifiques d'autrui. Ni d'un aborigène des brousses australiennes, ni d'un ancien grec, on ne saurait attendre cette prise de conscience que soulever son chapeau n'équivaut pas seulement à un événement de la vie pratique chargé de certaines résonances émotives, mais aussi à une marque de politesse. Pour comprendre le sens de ce geste, je n'ai pas seulement besoin d'être familiarisé avec l'univers pratique des objets et événements, mais encore avec l'univers qui déborde le domaine pratique, des coutumes et traditions culturelles propres à une certaine civilisation. En retour, cette personne de ma connaissance n'aurait nullement cru devoir me saluer en soulevant son chapeau si elle n'avait eu conscience du sens de ce geste quant aux résonances expressives qui accompagnent son acte. Elle peut en avoir conscience ou non. C'est pourquoi, lorsque j'interprète le fait de soulever son chapeau comme une salutation polie, je reconnais en lui une signification que nous pourrons appeler secondaire ou conventionnelle. Elle diffère de la signification primaire ou naturelle en ce qu'elle relève de l'entendement, non de la perception sensible, et qu'elle a été délibérément communiquée à l'acte pratique chargé de la transmettre. En dernier lieu, outre qu'il constitue un événement naturel dans l'espace et le temps, outre qu'il exprime naturellement certaines humeurs ou certains sentiments, outre qu'il transmette un salut de convention, ce geste peut révéler à un observateur avisé tout ce qui concourt à camper une personnalité. Cette personnalité est conditionnée par l'appartenance de cet homme au XXe siècle, par son arrière-fond national, social et culturel, par l'histoire de sa vie passée, par son entourage actuel, mais elle est en même temps individualisée par une manière d'envisager les choses et de réagir au monde qui lui est propre et que l'on pourrait, si elle eût formé un système rationnel, nommer une philosophie. Dans les limites d'un acte isolé, d'une salutation polie, tous ces facteurs ne se manifestent pas de façon exhaustive, mais n'en sont pas moins présents au titre de symptômes. Certes, en se fondant sur cet acte pris isolément, on ne saurait construire le portrait moral de cet homme. On ne le pourrait qu'en coordonnant un grand nombre d'observations analogues, puis en les interprétant en fonction des informations générales dont on disposerait sur la période où il vécut, sur sa nationalité, sa classe sociale, ses antécédents intellectuels, etc. Néanmoins, toutes les propriétés que ce portrait mental dégagerait de façon explicite sont implicitement immanentes à chacun de ces actes pris isolément, en sorte que, corrélativement, chaque acte pris isolément peut être interprété à la lumière de ses propriétés. La signification ainsi découverte peut être appelée signification intrinsèque ou contenue. Elle relève de l'essence, alors que les deux autres sortes de signification, la primaire ou naturelle et la secondaire ou conventionnelle, sont du domaine de l'apparaître. Elle pourrait se définir comme un principe d'unification, qui sous-tend et explique à la fois la manifestation visible et son sens intelligible, et qui détermine jusqu'à la forme en laquelle s'incarne la manifestation visible. Cette signification intrinsèque ou contenue ne se situe pas moins au-delà de la sphère des intentions conscientes que la signification expressive reste en deçà. Que les résultats de cette analyse, empruntés à la vie quotidienne, soient transposés à l'œuvre d'art, et nous pourrons distinguer en son sujet toute signification, les trois mêmes niveaux, un signification primaire ou naturelle, subdivisée en signification de fait et signification expressive. On la saisit en identifiant de pure forme, c'est-à-dire certaines configurations de lignes et de couleurs ou certaines masses de bronze ou de pierre façonnées de manière particulière comme représentation d'objets naturels tels que des êtres humains, des animaux, plantes, maisons, outils, etc., en identifiant leurs relations mutuelles comme événements et en percevant certaines qualités expressives, par exemple le caractère de deuil que comporte une attitude ou un geste, l'atmosphère intime et paisible à l'intérieur. L'univers des pures formes que l'on reconnaît ainsi, chargé de significations primaires ou naturelles, peut être appelé l'univers des motifs artistiques. Un dénombrement de ces motifs constituerait une description pré-iconographique de l'œuvre d'art. Deux, significations secondaires ou conventionnelles. On la saisit en prenant conscience qu'un personnage masculin muni d'un couteau représente Saint-Barthélemy, qu'un personnage féminin portant une pêche à la main est une personnification de la véracité, qu'un groupe de personnages attablés selon une disposition et des attitudes déterminées représente la scène, ou que deux personnages en lutte d'une manière déterminée symbolisent le combat du vice et de la vertu. Ce faisant, on met en relation des motifs artistiques et combinaisons de motifs artistiques, compositions, avec des thèmes ou concepts. Les motifs ainsi reconnus porteurs d'une signification secondaire ou conventionnelle peuvent être appelés images, et les combinaisons d'images correspondent à ce que les anciens théoriciens de l'art nommaient inwanisioni. Nous avons coutume de les nommer histoires et allégories.
L'identification de semblables images, histoires et allégories constitue le domaine de l'iconographie au sens strict. En réalité, lorsque nous parlons en un sens très large du sujet par opposition à la forme, nous nous référons surtout au domaine du sujet secondaire ou conventionnel, c'est-à-dire à l'univers des thèmes ou concepts spécifiques incarnés en images, histoires et allégories, par opposition au domaine du sujet primaire ou naturel incarné en motifs artistiques. L'analyse formelle, au sens où l'entend Wolfflin, est en grande partie une analyse de motifs et de combinaisons entre motifs, compositions, car une analyse formelle, au sens strict, serait tenue d'éviter des termes comme homme, cheval ou colonne, pour ne pas parler de jugement de valeur tel que le triangle qui apparaît mal à propos entre les jambes du David de Michel-Ange ou l'admirable mise en évidence des jointures dans un corps humain. Il est manifeste qu'une analyse iconographique correcte, au sens strict, présuppose une identification correcte des motifs. Si le couteau qui nous permet d'identifier Saint-Barthélemy n'est pas un couteau, mais un tire-bouchon, le personnage n'est pas un Saint-Barthélemy. En outre, il importe de noter que l'affirmation « ce personnage est une image de Saint-Barthélemy » implique chez l'artiste une intention consciente de représenter Saint-Barthélemy, alors que les qualités expressives du personnage peuvent fort bien n'impliquer aucune intention. 3. Signification intrinsèque ou contenue. On la saisit en prenant connaissance de ces principes sous-jacents qui révèlent la mentalité de base d'une nation, d'une période, d'une classe, d'une conviction religieuse ou philosophique, particularisées inconsciemment par la personnalité propre à l'artiste qui les assume et condensées en une œuvre d'art unique. Comme il va sans dire, ces principes se manifestent par l'intermédiaire à la fois de méthodes de composition et d'une signification iconographique qu'ils éclairent en retour. Ainsi, au XIVe et au XVe siècle, le type traditionnel de la nativité, où la Vierge Marie est représentée étendue dans un lit ou sur une couche, fut fréquemment remplacé par un type nouveau, la Vierge agenouillée devant l'enfant en adoration. Du point de vue de la composition, cette transformation signifie, en gros, la substitution d'un schème triangulaire à un schème rectangulaire. Du point de vue iconographique, au sens strict, elle signifie l'introduction d'un thème nouveau que l'on trouverait formulé dans les textes d'auteurs tels que le pseudo Bonaventure et Sainte Brigitte. Mais en même temps, elle révèle un nouveau mode de sensibilité propre aux dernières phases du Moyen-Âge. Comme une interprétation vraiment exhaustive de la signification intrinsèque ou contenue pourrait le montrer, les procédés techniques eux-mêmes qui caractérisent une religion, une époque, un artiste déterminé, par exemple la préférence de Michel-Ange pour la sculpture en pierre plutôt qu'en bronze, ou son usage particulier de hachure dans ses dessins, sont des symptômes de la même mentalité de base que traduisent toutes les autres propriétés spécifiques de son style. En concevant ainsi les formes pures, motifs, images, histoires et allégories comme autant de manifestations de principes sous-jacents, nous interprétons tous ces éléments comme ce qu'Ernst Cassirer a nommé « valeur symbolique ». Et voilà.